NNR est une course, une corrida nocturne qui se déroule à Bastogne depuis maintenant 10 ans, qui passe par des bâtiments. Donc ça, c'est une nouveauté qui a été mise en place il y a quelques années. Ça passe donc par des bâtiments, notamment la commune. Nous allons avoir la chance également de passer par le cinéma. On a quand même pas mal de bâtiments, une dizaine, voire un peu plus. Je ne me rappelle plus exactement le nombre qu'il y en avait. Et cette course est dans deux parcours, un parcours de 7 km et un parcours de 12 km. L'inscription se fait donc via la page Facebook, via le site Ultra Timing. Et le départ se fait à 18h pour le premier parcours et départ à l'Athénée. D'accord. Alors, pour ce genre de compétition, il y a un âge minimum, un âge maximum. Comment ça se passe? Non, il n'y a pas d'âge, on n'a pas fixé d'âge. Il y a plusieurs catégories qui seront mises en place en fonction des inscriptions, mais ça, c'est la personne qui gère le timing de la course qui s'en occupera. Mais voilà, on invite les enfants à participer, on invite toutes les personnes jusqu'à 99 ans, même passer la centaine s'ils veulent venir, il n'y a pas de souci. On va parler un peu chiffres. L'an dernier, comment ça s'est passé? Donc l'année passée, on a eu, si je ne me trompe pas, pas loin de 500 coureurs qui sont venus courir à cette course. C'était aussi un parcours très riche. On est passé notamment, donc, comme je disais tout à l'heure, la commune, le séminaire, le musée en Picon-Rue. On a également eu l'ENALUX, l'INSEE Premier Degré. On a beaucoup, beaucoup de bâtiments qui sont traversés pour mettre en valeur la ville de Bastogne. Et on a également la traversée du musée War Museum et du Mardasson, qui ne sont pas mal non plus. Est-ce qu'il y a un côté festif à la fin de... Bien sûr. Donc sur tout le long du parcours, on a déjà des activités et des animations qui sont proposées par certaines associations, d'autres animations qui sont venues d'un peu plus loin. Principalement, ce sont des associations de Bastogne, des petits groupes carnavalesques qui sont mis en avant. À la fin, on a une petite restauration, un petit bar qui est mis à disposition des coureurs. Et les familles peuvent également venir attendre les personnes qui courent auprès de nous en mangeant un petit bout. Alors, on peut rappeler l'endroit où ce regroupement se fait? Donc ça se fait à l'Athénée de Bastogne. Et le départ se donnera à la gare du Sud. La page Facebook? Donc la page Facebook, c'est la Jeune Chambre de Bastogne, JCI Bastogne, qu'on retrouvera facilement, ou NNR 2019, pour arriver directement sur notre événement. On rappelle NNR, ce que ça veut dire? Nuts Night Run.